Et salut à tous, c'est Furu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, review d'un perso. Perso qui a été demandé par les viewers. Ce perso, c'est Jamian. Donc, je l'ai monté un peu. Je lui ai mis les runes de Makacha, qui correspond à peu près. On en reparlera un peu. Donc, on va tester ce personnage, que ça soit en PvE ou en PvP. Par contre, on ira tester comment dire, en sacré duel, parce que malheureusement, je ne l'ai pas full monté. Je ne l'ai pas passé 5 étoiles, et honnêtement, pour le moment, je ne passerai pas 5 étoiles 70. Plus tard, il y passera, mais pas pour le moment. C'est ce qu'ils ne sont pas encore maxés, hein. Je n'ai pas looté non plus excessivement full Jamian. Donc, on va le tester en max stat, voir ce qu'il donne. Donc déjà, justement, on va parler au niveau de ses stats. C'est un perso qui est C en PV, donc pas très résistant. A en attaque magique, normal, parce que ses soins dépendent en partie de l'attaque magique, comme on le verra par la plus. Et A en vitesse, donc c'est un perso qui est quand même assez rapide. Au niveau de ses skills. Donc, bah, l'attaque normale, hein, une attaque de base qui inflige 100% de dégâts cosmiques. Rien de nouveau. Sacrifice. Jamian du Corbeau sacrifie 25% de ses PV actuels et restaure une quantité de PV équivalente à 250% de l'attaque cosmique plus soin pour une unité alliée. Enfin, c'est 240 de base, moi je l'ai monté une fois, donc il y a 250. Donc ça c'est un heal où il va sacrifier des PV pour heal un autre personnage à 250% plus heal. C'est pas négligeable, hein. C'est un gros heal, hein. Quand on regarde par exemple Katia. Katia, au niveau de ses compétences, c'est 135%, on peut en déduire vu que c'est en chinois. Donc c'est un bon heal. C'est un bon heal, hein. Quand on parle de 240%, c'est pas du petit heal. C'est pas du petit heal, c'est un bon heal. Donc voilà, c'est peut-être pour éviter justement le skill 3. Le skill 3, lui, Tempête des Corbeaux. Jamian du Corbeau sacrifie 90% de ses PV actuels et restaure 90% des PV pour une unité alliée. Donc là, ça ne dépend pas de l'attaque cosmique, ça ne dépend pas de ses PV, ça dépend des PV de l'unité soignée. Donc, ça peut être 100% si vous l'avez au niveau 5. Donc en gros, c'est le heal de la dernière chance. Et là, vous vous dites oui, mais Jamian, après, il va plus avoir de PV s'il sacrifie 90% de ses PV actuels. Eh bien, c'est là que l'ancêtre des corbeaux rentre en compte. Chaque fois qu'une unité alliée guérie par Jamian du Corbeau, à part lui-même, perd des PV à l'exception des dégâts répétés, Jamian du Corbeau récupère 6% au premier level et 14% de PV max. Ça peut être très fort, comme on va le voir. Ça peut remettre Jamian assez vite sur pattes, hein. Après, effectivement, s'il mange un focus derrière, il y a de fortes chances qu'il meure. Et c'est moi la faiblesse de Jamian, c'est ça en fait. C'est que voilà, derrière, s'il se prend un focus après avoir perdu 90% de ses PV, oui, il va healer un gros coup, une unité, mais derrière, ça va pas être génial. C'est un peu la faiblesse du personnage pour moi. Et c'est pour ça que je le classerai en troisième healer, surtout actuellement. Au niveau de la méta actuelle. Après, quand IKGC sortira, ça sera une autre histoire parce que c'est un gameplay assez particulier, IKGC. Au niveau des liens, on a un lien qui servira strictement à rien avec Ptolémée qui va augmenter l'attaque, la C-attaque. Un autre lien où il y a encore Ptolémée et Yoga, donc non plus pas génial. Un autre lien avec Jabu et Deathmask, donc Deathmask possiblement. Possiblement, mais Jabu, vous ne le montrez pas énormément. Peut-être que vous l'avez monté 3 étoiles au début, 4 étoiles maxi, mais pas plus. Et après, là, on a un sacrifice, un lien avec les healers et la prêtresse noire. Je vois pas trop ce que la prêtresse noire vient foutre dans l'histoire. Mais voilà. En tout cas, il y a un lien qui est possible. Donc, voilà. C'est honnêtement, pour moi, ça serait un perso qui va être très compliqué à monter en lien. Parce que c'est pas des persos que jouer comme Deathmask, ouais. Deathmask, je vais le monter à un moment donné, il n'y a pas de souci. Mais Jabu, je n'ai pas envie de le monter. La prêtresse noire, j'ai pas envie de la monter. Ptolémée, j'ai absolument pas envie de le monter. Donc voilà, à part looter des B 4 étoiles directement, ce qui est assez rare, mais ça peut arriver.
Ça va déverrouiller tous les links à part yoga et Jabu que j'ai pas envie de monter pour le moment. Donc on verra par la suite. Mais en termes de link, il n'est pas super super. Par contre, si je ne me trompe pas. Ah bah si, je me trompe. Je pensais qu'il était dans ce. Il est dans Éclat d'argent du coup, non plus. Bah il est où ce petit? Il est où ce petit? Non. Non plus. Non plus. Non plus. Bah dis donc. Tel obscur, non. Lueur divine, non plus. Soin de vie, non. On va le trouver, hein. Feu gelé. J'ai l'impression d'avoir fait tous les temples. Serait-ce qu'il ne serait dans aucun temple? Ah ben. Alors je l'ai peut-être fait rapide, hein. Pas de Jamian, pas de Jamian, pas de Jamian. Ah, il est là. Bah si, hein. Il était bien dans celui que je pensais. Alors, je suis aveugle. Désolé, c'est Pix, ton live va durer trop longtemps. Du coup, il est bien dans le même temple que Saori et Katia et Marine, donc ça c'est plutôt du bon. Mi et la prêtresse, on pourra les looter facilement 4 étoiles au bout d'un moment, donc c'est du bon. C'est du bon, le passage en 5 étoiles n'est pas non plus ridicule. Saori, de toute manière, quand je vais l'avoir à un moment donné, je vais la monter, donc le temple devrait gagner pas mal en étoiles. Donc ça c'est sympathique. En termes de cosmos, donc bah comme je vous ai dit, j'ai mis ceux de Katia, c'est-à-dire la conscience pour augmenter son attaque magique, la ténacité pour le moment, parce que bah je le dis toujours, hein, mais il y a principalement des dégâts physiques qui sont appliqués actuellement, à l'exception de Saga. Donc bon, je pense que pour le moment, ténacité est un bon choix. Livre de soins, bah pour augmenter ses soins, forcément. Et le laurier pour augmenter ses soins également. Donc. Rien d'exceptionnel, hein. On est sur un healer basique. Donc, on va aller voir ce que ce Jamian du Corbeau fait en PvP. Je vais juste aller, parce que voilà, je savais. Tac, tac, je referai juste les commissions et on est parti. Donc, on va aller faire du duel sacré. Je l'ai déjà testé dans ma line-up, donc je vais garder la même line-up. Et on y va. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez soutenir la chaîne totalement gratuitement, n'hésitez pas à passer sur Utip, dont vous trouverez le lien dans les descriptifs de mes vidéos. Ça coûte rien et ça permet de faire évoluer la chaîne, donc n'hésitez pas à passer dessus et regarder quelques pubs. Donc du coup, je suis sur une formation assez basique, hein, avec June, Kiki, Moses, Mu, Shaka et Jamian. Donc les dégâts vont principalement venir du Mu, forcément. On est parti. Bon, là il y a une prêtresse noire qui va me les briser, clairement. Ça risque d'être un combat difficile, hein, parce qu'il a un Heal, il a June, il a Sorrento, Scylla et Prêtresse Noire pour Silence. Ça risque d'être un combat compliqué. L'avantage, c'est que je joue avant lui. Voilà, alors ça, c'est les sacrés duels. En temps normal, sa prêtresse aurait été complètement stun, mais elle n'est pas stun, donc bah, on va faire avec, hein. Voilà, donc Shaka qui est lui silence. Donc ça fait chier, ça commence mal. Voilà, la June qui va pas faire son filament. Moi, je le fais. On va aller taper la prêtresse noire. Là, il va sûrement faire pop la Scylla, voilà. Et la Scylla qui stun. Le Moses, ah ça part mal, hein. Je le savais que ça allait être un combat difficile. Donc là, bah voilà, hein, du coup, c'est un peu le caca. Là, je vais me refaire silence mon chaka. Voilà. On va poser un shield.
On va ralentir encore la poufiasse. L'avantage, c'est que Mu va quand même être là pour oh là là, et les stuns qui passent à chaque fois, c'est fatigant. Là, va y avoir un heal et une invocation de fée, donc encore un contrôle en plus. Malheureusement, le silence, enfin le dodo, dès qu'il y a une attaque, c'est la fin des narikos. Ça va être très complexe. Très 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 complexe. Faudrait que le Moses arrête de se faire stun par la Scylla. Hein. C'est là que le Scylla a l'avantage sur Moses parce que la Scylla ça dépend pas de ses. De ses statuts. De ses statuts 8, mais bien directement de la Scylla. Donc bah du coup, c'est beaucoup plus simple quand même. Là, bah, on a tout le monde qui est dodo, c'est magnifique. Et puis là, il y a un potentiel one shot qui va arriver. Ouais, bah c'est mort. On va changer un peu la composition de l'équipe. Hein. Parce que là, trop. Trop, c'est comme pas assez. On n'a pas assez de dégâts. Mais alors, vraiment pas. Déjà, on va virer lui. Non, il me faut absolument le. Ouais, on va enlever le Moses. C'est bête, hein, mais vraiment, en sacré duel, le Moses, il sert à rien. Alors que en galactique duel, il est si utile, mais en sacré, il est vraiment useless. Non. Du coup, faudrait quand même que je leur mette leur rune légendaire, hein. Jonquille, ah bah non, c'est bon, tout est bon. Ah non. Du coup, on va mettre l'elfe, la fée des marées. En vitesse, on va mettre le chaka super rapide. Nickel. Voilà. Donc là le lien, donc je suis face à quand même une team relativement relou avec un Camus. Oui, j'avais envie de jouer Death Mask. Ça me tentait. Oh là là. Encore un combat qui va être pénible, ça.
Bah oui, bien sûr. Ça passe. Je suis vraiment pas habitué, hein, au sacré duel de voir les sorts passer comme ça. Ça me permet de confirmer, hein, que vraiment le sacré duel, c'est pas du tout représentatif par rapport au Galactic Duel. Il n'y a pas photo. D'ailleurs, je l'ai mon chaka. Ah non, même pas. Et il s'est one shot la June. Ah non, le Mu. Tiens. Qu'est-ce que ça change d'avoir Aiolia? Là, il va regretter, hein, de ne pas avoir. Mais il n'a pas le choix de mettre un shield. Voilà. Vous voyez, Jamian se heal bien. Hein. Dès qu'il y a un perso qu'il a déjà heal, qui se fait attaquer, il se heal quand même énormément. Alors là, je ne veux pas. On va heal Shaka. Je veux pas que mon. Oui, j'aurais pas dû faire ça. Ça se voit que j'ai pas l'habitude de jouer avec Deathmask. Alors on va finir ça. Hop. Vous voyez, il tient quand même l'équipe, mais personnellement, je trouve que son heal est beaucoup moins fort que celui de Katcha. Après, c'est mon avis, hein. Vous allez peut-être me dire le contraire, hein, mais je préfère celui de Katcha, honnêtement, à celui de Jamian. Et on voit bien, il se heal bien à chaque fois. Hein. Pas de soucis. Waouh, ce massacre. Tiens, allez. Hop. Ouais. Donc voilà, en termes PVP, pour l'instant, je suis pas convaincu. Hein. Autant Katia m'avait agréablement surpris, autant lui, bof. On va aller faire un peu de PVE, on va tenter. La nouvelle histoire, ça tombe bien, je ne l'avais pas encore fait. Excusez, hop. Normalement, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop besoin de heal. Quoique c'est ce golem-là, il est chiant quand même. Il est chiant quand même. Du coup, hop. Voilà, l'avantage c'est qu'il joue extrêmement vite quand même. Bon, il fait n'importe quoi.
C'est ma faute aussi, j'aurais pas dû mettre en auto. Par contre, il coûte pas de Cosmo. Ça, c'est un avantage quand même non négligeable, c'est qu'il ne coûte pas de Cosmo. Aucun de ses spells de soins ne coûte du Cosmo. Donc si vous êtes sur une team qui coûte énormément de Cosmo, ça peut être sympathique comme île de substitution. Mais honnêtement, je préfère Katia ou Marine. Pour moi, ouais, Jamian il sera utile. Ouais, par exemple, vous venez d'utiliser un jonquille avec un de vos personnages, avec Aiolia, il est très proche de la mort, vous voulez leur mettre full life. Voilà. Après, à part de ça, je vois pas trop. Si, je vois quand IKGC va sortir, parce qu'en fait, IKGC va apparaître avec très peu de vie. Et donc, ça va permettre de lui remettre 90% de ses HP. Donc là, forcément, oui, ça a un intérêt certain. Mais sur un personnage qui est déjà avec sa vie plein au début du combat, voilà. Et l'autre faiblesse, c'est que là, ouais, je vais heal Yuzuriya totalement, mais je vais sacrifier Jamel. Hein. Là, il se prend une pichenette, un Achou, mais il meurt. Là, je sens moyen, là, le golem. Hein. Je le sens très très moyen. On va le tester. Hein. Le but, c'est de faire le test. Hein. Mais de ce que j'ai vu, il me rassure pas fou, Jamian. Oh la vache. Oh, bof. Voilà, déjà, il jouera pas. Là, il avait plus de points de vie, donc même si je sacrifie ses points de vie, c'est pas trop grave. Voilà. Pidjamian s'est pris une pichenette et il est mort. Là, c'est passé, hein, mais c'est clairement pas grâce à Jamian et le heal qu'il a fait sur Yuzu. Bah, il a sacrifié très peu de points de vie au final parce qu'il avait très peu de points de vie. Donc, à la limite, dans ce sens-là, ça peut marcher. Mais sacrifier quand t'as tous tes points de vie, vaut mieux sacrifier le 25%, je pense. Clairement, ça va être plus utile de sacrifier 25% de ses points de vie. De toute manière, on a vu, hein, il est quand même pas mal. On va le refaire là, on va juste sacrifier 25% de ses points de vie juste pour voir à combien il. Sachant que Katia a healé à plus de 7700 et Marine à 6600, je crois, ou 6500. Là, on va le faire heal n'importe qui, hein, on s'en fout, c'est juste pour voir à combien il heal quand il sacrifie 25% de ses PV. Ouais, 10 000. Il est quand même 3 000 de plus que la Katia. Mais il a sacrifié 25% de ses PV. Et il récupère ses points de vie à chaque fois que Seiya est attaqué. Donc là, bah, hop, justement. Idéalement, faut une June hein, pour que peu importe qui se fasse attaquer, le perso qui la heal se fasse toucher, quoi qu'il arrive. Parce que dès que le perso qui la heal se fait toucher, il récupère des points de vie.
Qu'idéalement, je dirais que même s'il manque pas de points de vie, il vaut mieux que tout le monde soit touché, comme ça, derrière, il récupère toujours des points de vie. Donc c'est vraiment à chaque fois que un personnage qu'il a heal subit des dégâts, il va se heal. On va essayer de faire en sorte qu'il se fasse toucher là. De 1925, ok, c'est vraiment pas énorme ça. Là, du coup, il a plus de PV, donc on peut remettre tous les PV à Iolos. Voilà, donc il n'a pas survécu, hein, c'est bien ce que je pensais. Iolos a survécu, c'est le principal. Puis c'est un heal mono-cible. C'est un heal mono-cible et pas un heal mono-cible à la Katcha où tout le monde va être touché au final. C'est vraiment un heal sur un personnage. Donc là, pour le moment, mettons que j'ai rien de très bon à dire hein, sur le Jamian. Pour moi, il a trop de faiblesses. Il a trop de faiblesses. Derrière, mon équipe est tellement forte que c'est pas trop grave, ses faiblesses, mais. Ah ouais, merde. Je l'ai refait sur le même personnage, c'est pas très intelligent ça. De toute façon, il se fait bouffer. Là, vous voyez, s'il y avait une June, il aurait eu deux heals. Ouais, il n'y a personne à healer. Hein. Non, pas fan du tout du petit Jamian, hein. Pas fan du tout, et là on n'est pas sur des modes qui sont très difficiles. Hein. Je peux le faire sans heal, hein, clairement, mais sur des modes où le heal est déterminant, non, 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 non. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Peut-être à la limite avec Tion et une June, mais pour moi, June, il faut absolument mettre June si vous voulez jouer Jamian. Clairement, vous ne pouvez pas jouer sans la June, sinon elle va pas se faire heal. Mais il est trop sensible au one-shot après avoir soigné de 90%, même 25%, hein, 2 fois 25%, c'est 50% de sa vie en moins. Ouais, non. Honnêtement, Jamian, ouais, pour IQ-GC, il va être super. Mais là, actuellement, dans le méta actuel, ouais, pour moi, il vaut même pas un 3. Hein. Ouais, 2,5 sur 10, je lui donnerais. Honnêtement, pas du tout. Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Ça demanderait trop de persos spéciaux à jouer avec lui. Un Cassios, par exemple, un Mu, une June. Voilà, bah déjà, vous avez Cassios, Mu, June, Jamian, ça fait déjà 4 persos. 4 persos déjà de votre team qui sont utilisés juste pour que Jamian soit au petit. Parce que si vous jouez comme ça, effectivement, bah du coup, Cassios avec un Misty aussi pour provoque, ils vont être obligés d'attaquer autre que Jamian et notamment ceux qui se sont fait heal par Jamian, donc il va se heal à chaque fois. Mais là, honnêtement, non, pas impressionné, pas du tout.
Donc honnêtement, je vous conseille bien plus de monter Katia ou Marine en termes de healer. Jamian, vous avez le temps de voir venir hein, d'ici à ce que IKGC arrive. Il y en a un petit temps. Ah, et peut-être quand Yoga Pog sortira pour la méta Counter-Attaque. Avec Poséidon et Mu et Yoga Pog et Misty. Ouais, pourquoi pas, ouais, parce que de toute façon, ils vont être obligés d'attaquer le Misty. Donc ça permettra bien back le Misty, mais. Encore là. Encore là, hein, je suis pas persuadé. Sur IKGC, il n'y a pas de souci. Vu que le Phoenix arrive avec peu de vie, ça lui permet de remettre tous ses points de vie. Là, ok, clairement, ouais, super. Mais à part ça, honnêtement, je vois pas en quoi il va être meilleur que Marine ou Katia ou même Tétis. Hein, honnêtement, non. Pas convaincu du tout par le Mister Jamian. Donc ça sera le mot de la fin de cette review de personnage. Honnêtement, je vous déconseille de monter Jamian tout de suite. Hein, privilégiez lui, Katia ou Marine. Mais pas lui. Pas lui, clairement, pas lui. Après, bon, il y aura sûrement des personnes qui l'aiment, qui vont dire oui, mais si tu fais ça, 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 ça. Mais comme je dis, si c'est pour mettre la moitié de l'équipe déjà au service de Jamian, pas vraiment. Katia suffit à elle-même, Marine a suffi à elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 persos à côté pour qu'il soit bon. Donc, non. Honnêtement, montez pas Jamian tout de suite. Quand IKGC, de toute manière, on aura le temps de le voir arriver. IKGC, il est même pas encore arrivé sur le SEA. Quand il arrivera, là, oui, il sera utile à monter. Pour le moment, en revanche, concrètement, moi, j'en n'en vois pas l'utilité. On a déjà deux très bons healers qui sont présents dans le jeu, en Katia et Marine. C'est amplement suffisant. Bah, pas la peine de monter un autre healer. Vous avez besoin de deux healers pour l'Athéna Triole, à deux healers dans les modes très difficiles à la limite, mais au-delà de ça, non. Donc, Jamehan, vous pouvez le laisser au fond de la box. Alors, le divisez pas parce que, comme je dis, pour IKGC, vous en aurez besoin. Donc, mettez-en un que vous allez laisser level 1 par exemple, mais que vous allez monter ses skills en préparation de IKGC. Parce que bon, c'est un A, ça reste, c'est pas un B. Vous en looterez pas non plus 50 000. Pour moi, il faut qu'il soit full skill, au moins qu'il soit en 1-5-5-5 pour qu'il soit opti. Donc, commencez à stocker les Jamian, les divisez pas. Quand vous serez en 1-5-5-5, à ce moment-là, vous les diviserez. Mais là, pour le moment, gardez-les. Mais laissez-le level 1 dans le fond de la box. Voilà. Donc, ça sera tout pour moi pour la review de Jamian, qui a un personnage dans le devenir, qui a un personnage qui va être fort par la suite, mais qui actuellement n'est pas très utile à monter. Privilégiez Katia ou Marine, vous aurez bien plus de rendement qu'avec Jamian. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Demain, je vous fais la review, enfin mon top 10 des persos PvE. Et lundi, il y a la nouvelle box qui arrive. Donc lundi, on passe la soirée en live. Un live peut-être de 6 ou 7 heures, je sais pas, on verra, on va se faire plaisir, on va liver pendant longtemps. On est content, la nouvelle box arrive, on va fêter ça. Allez, bonne nuit à tous et à demain pour une prochaine vidéo.